à tous et à toutes, c'est Tsubasa et on se retrouve pour cette cinquième vidéo sur XCOM, The Enemy Unknown. Alors, l'état des lieux n'est pas très réjouissant. On n'a que 11 crédits. Et bah ça le bordel un peu partout quoi, parce que ouais, le Canada menace niveau à 4 sur 5, Afrique du Sud, Nigeria, Australie. Ensuite, on a l'Inde, la Chine, le Royaume-Uni, l'Égypte et l'Argentine qui sont à 3, le Brésil, l'Allemagne, la France, la Russie à 2, il n'y a que le Japon, le Mexique et les États-Unis qui sont à 1, et c'est le bordel. On a 2 satellites seulement qui sont en ligne, on en a un qui est en cours de production, mais pour ça, il faudrait des installations pour les gérer. On n'a pas de quoi construire un terminal de liaison, donc ça sert à rien d'avoir un satellite qui va arriver, parce que le terminal de liaison, on ne peut pas le construire. Allez, on surveille l'activité. Ascenseur opérationnel. Voilà, on a un ascenseur, super. Allez, bon, allez, on avance. Commandant, on a une transmission de priorité 1, c'est de la part du conseil. Bah oui, forcément. Deux scientifiques. Non, moi j'aurais préféré de la thune. Alors, si une impérité est en place, cuirassé alien est vulnérable. Il faut frapper sans plus attendre. Ah, il faut envoyer une escouade. On peut le faire plus tard. Moi j'aimerais bien. Ah, une fonderie, il y a un canon phénix. Ouf. Alors, un canon phénix peut infliger des dégâts explosifs quand même, mais sa portée d'attaque est très courte. Oh, super. Là, fonderie, matériel de développement, nouveaux équipements. Mais il faudrait pour ça de la thune. 9, 10, 12. Eh ben, on va topier un Goliath. De tous les. Alors, hop, production. Voilà. D'accord. Les avions. Ouais, on est dans le rouge au niveau des finances. Marché gris. Ça, on va pas les vendre. On en rank 7. Putain, ça fait pratiquement rien. Dites aux hommes qu'ils n'ont pas le droit de rapporter des bouts d'extraterrestres en souvenir. On a des règles, bon sang. Ouais, avec 120, est-ce que je peux faire quelque chose? Il faudrait. Non, pas les soldats. Les installations. Un terminal de liaison. C'est combien? C'est 150. Oh, putain. Une fonderie, c'est combien? C'est 75. Nouveaux équipements. Ah bah à ce moment-là, on pourrait éventuellement faire une fonderie ici. Allez, fais-moi une fonderie. Il me faudrait vraiment de la thune pour avoir. Là, on n'a rien qui peut être construit. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Raquette une attente. Ah ben j'en ai trois. Voilà. Bon. Alors voyons voir ici. Ah on a passé donc on n'a pas pu y aller. Ok. On vient de recevoir une transmission sécurisée venant du conseil, commandant. Maintenant, putain, on n'est pas prêt là. On n'a pas. Enfin, prendre un vaisseau alien d'assaut comme ça, il faut. Attends, déjà, il faut que je vois l'état de l'infirmerie parce que là. Parce que je sais que j'ai des soldats qui sont blessés. Ouais, non, regarde-moi ça.
On a notre sniper qui est encore un jour, 9, 9, 13. Ouais, vas-y, sérieux, j'ai mes meilleurs soldats qui sont sur le carreau. Il reste mon médecin, un appui, mon coroner. Ah non, sérieux, il faut envoyer plus de troupes de meilleure qualité là. Attends quoi, que j'ai peut-être. Hop, centre de formation. Augmente la capacité à 6, ouais. Voilà. Déjà, je pourrais envoyer 6 mecs à la place. Voilà. Non, on va. Je suis désolé. Un petit ovni. Ouais, voilà, parfait. Après, on ira récupérer. On passe à l'attaque. Allez, on va envoyer le Mercure. Parfait pour envoyer des novices. On va envoyer. Et on va quand même leur mettre quelqu'un pour les tenir. Par contre, toi, tu vas pas me. Tu vas pas prendre l'électroflux. Hop, tu vas prendre des grenades. Là. On va prendre. Un commando. Edward, modifié. Équipement, Edward, t'auras l'électroflux. Comme ça, en même temps, si on peut capturer un alien, et en même temps, ça forme les soldats. Allez, on est parti. Je suis désolé pour le conseil, mais là, on n'est pas à l'état des choses. On a nos meilleurs qui sont sur le carreau. Non, c'est pas faisable. On y est. Tu prends, tu t'attaques, fais pas une On vous attaque de envoie au grosse Mexique pour cette envergure nouvelle sur un opération. vaisseau ennemi, alors que t'as tes On meilleurs dirait que éléments les qui sont sur le extraterrestres carreau, se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. quoi. Bah, faut espérer. Hein. Et puis il faudra prendre le vaisseau, rentrer à l'intérieur, histoire de pouvoir récupérer des composants, parce que ça nous permettrait des, je sais pas, des ordinateurs de bord, des systèmes de contrôle. Enfin voilà. UG, ici Rapace, répondez. On est dans le périmètre et on approche du site du crash. L'équipe Strike attend vos ordres. Affirmatif, Rapace. Strike One a la permission d'attaquer toutes les cibles hostiles sur les lieux. Ah bah parfait, de toute façon, c'est ce que je comptais faire. Caporal Wangus.
crash est là-bas. Là, des planeurs. Oh putain. Le tir a pas fait mouche. Oh putain. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas, non! Non, c'est pas normal! C'est pas normal! D'accord, on a déjà une perte. Eh ben putain. Beaucoup les Nigérians.
le vaisseau, ça? Non, mais c'est des feux. Donc on pourrait penser que si on est sur le... Non, on va dans la bonne direction déjà. Normalement, c'est un petit vaisseau, donc devrait pas y avoir des ennemis trop balèzes à l'intérieur. Mais on a déjà eu quand même tout à l'heure des tonnerres. C'était quoi ? Ennemi en vue. Ah, on a des gars qui sont pas ratés. Thank you.
lui faire sa fête. De Dieu. Attrape. Cadeau. Excellent travail. La mission est accomplie. Ouais. Merde, on a encore perdu un soldat. C'est le deuxième qui tombe. Mission réussie, mais à quel prix? Ah, un grenadier, c'est bien. Reviros, c'était sa première mission. Si, on a des ordinateurs. Donc on va aller déjà au marché gris. Tout ce qui est endommagé. Voilà. On surveille plusieurs contacts en ce moment, mais je crois qu'il va falloir faire un diagnostic. Ça n'a pas l'air d'être une cible valable. Allez, on a un peu de thunes, super. Dans la recherche, on en est où? L'autopsie va se finir, parfait. Production, voyons voir, qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait produire? Troflure, mieux en équipe. Satellite, on en a déjà un en cours. Canon phénix, ouais, mais ça fait perdre. Acquisition, matrice de défense, mais l'interception, ok. Les installations, on va mettre un terminal de liaison. ...14 jours en terminal. Et dans 5 jours, j'ai un satellite. Ok. Il me reste 38. Ok, voyons voir. La liste des soldats. 13 sur 16... 14, 15, 16. Ok. Il n'y a que... lui. Ah merde, je suis con. Si. On va voir les soldats. Équipement. Il a son scope. Parfait. Suzuki. Bon. Bon.
trop fort. Par contre, vu que c'est le médecin, on va l'appeler Doc, hein, quand même. Voilà. Hop. Mais bon, ça c'est juste personnalisé sur nom. Ok. Et maintenant, allons au mémorial pour le soldat Ross. Donc, c'était la première mission. Nous n'avons malheureusement pas le temps de pleurer nos morts. Il faut repartir au combat. Commandant, le conseil veut établir une liaison directe sur un canal sécurisé. Oui, mais on le fera pas maintenant. Je suis désolé. Là pour l'instant, on a besoin. Ah, ça pourrait être pas mal, ouais. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait produire. Non. On va en fabriquer un comme ça pour la prochaine mission aussi. Alors ici, oui, ça serait pas mal d'avoir la guérison rapide. Dans 4 jours, j'ai un satellite. Commandant, le conseil essaie d'entrer en contact avec nous. Je sais, les gars. Et on aurait des ingénieurs de plus. Ah, ça pourrait être utile. Voyons voir. Les soldats. Sniper. Et ils sont toujours pas. Non, il leur faut au moins. Ouais, il leur faut au moins 8 jours pour pouvoir. Ouais, non, il nous faut au moins une semaine de plus. Je suis désolé, mais non, on peut pas. Il nous faudra une semaine de plus pour Dernière pouvoir... Dernière nouvelle sur l'incursion extraterrestre. Ce phénomène, qui touche à présent le monde entier, a pris une tournure encore plus grave. Les extraterrestres semblent s'attaquer directement aux civils. Leur tactique semble avoir changé. Mais pourquoi?
Que font-ils? C'est un message disant au monde entier que rien ne les arrêtera. D'accord, donc maintenant, c'est les civils qui sont attaqués. Ceux qui ne viennent pas que pour prendre d'assaut nos villes, maintenant, ils exterminent la population. Assez bien, par contre, il y a quand même encore de l'entraide. Oula, t'as sauvé un gars, mais j'ai l'impression que ça va te faire crever, ça. Ah oui, et pas qu'un peu, ok. Eh ben faut y aller, les gars. Voyons qu'il y en est à. Eh ben, on va y aller. Le doc. On va y aller. Quoi? Et ils sont pas encore. Eh ben, on va envoyer. Croforme. Exanjo. Et puis on va y aller quelqu'un d'autre, super. Qui j'avais donné l'électroflux tout à l'heure. C'était toi? Non. Tao? Non. Wedge? Non plus. Qui c'est qui l'avait? Campbell? Non plus. Edwards? Ouais, c'était Edwards. Okay, Edwards. Là, on va tomber. Et je vais mettre. Crawford. Exo. Voilà. Major Blarkan. C'est parti. Faut absolument qu'on réussisse parce que là, sinon on a le nord des États-Unis qui va tomber. Et là, ce serait pas bon, on perdrait le Canada. Cette opération va se dérouler au Canada. On a reçu des rapports d'activité extraterrestre dans un centre urbain très peuplé. On devrait aller sécuriser la zone pour minimiser les victimes civiles. Ouais, ça va être chaud. Ça, c'est le type de mission que j'aime pas. On a des civils et en fait faut en sauver le plus possible, sachant que eux les ennemis vont automatiquement attaquer les civils au lieu de venir nous attaquer nous. Centrale, ici Rapace, liaison confirmée. L'équipe Strike est en position près du site d'attaque. Attendons confirmation. Bien reçu, Rapace. Strike One, alpha vert. On est en pleine. Les civils passent en priorité. Faites tout votre possible pour les protéger. D'accord. Bon, on a déjà deux civils qui sont là. Ok. Alors, première chose à faire. Toi,
c'est qui J'ai quelque chose ici. Ouh, merde. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. On a déjà sauvé un, mais bon. Non, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens que je vais tourner. Voilà. Ah bah putain. Ouais, ça c'est un civil, mais il y a des méchants qui sont là. C'est surtout eux là qui. C'est ceux-là qu'il faut buter en priorité. Alors c'est pas possible de le rater à cette distance. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, bah heureusement, parce que sinon c'était lui qui nous aurait eu. Oh putain, ils ont tué un civil. Il y en a un là à l'intérieur. Alors qu'on entend des tirs de partout. Allez, on s'est positionné en vigilance. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un Goliath. Hey, vous avez rien entendu ? Oh putain, il y en a un autre. Très bien. Faut les buter ceux-là. C'est
ceux-là en priorité qu'il faut, tuer. Doc, tu prends des risques. Doc, ça vous ressemble pas de prendre autant de risques. Super. Oh, on a des planeurs, putain. Oh putain. 1, 2, 3, 4 planeurs. Je me déplace parce que là... Oh putain. Ok, Doc, t'es dans la merde. Non, c'est... c'est lui, Doc. Putain. C'est pas vrai, j'ai raté mon coup.
sais que ce n'est pas très professionnel, mais la morsure semble l'avoir changé en zombie. Youpi. Donc, ok. Je peux plus tirer. Ok, super. On a Hulk. Ok, il faut s'en défaire. Non, putain, ils tirent sur les civils, les enculés! Oh putain! Crawford est mort. Chut. Filez! Restez pas là! Boum et boum. On repart à l'attaque. Thank you.
Il faut sauver le civil qui est là. Il y en a un autre là-bas. Ok. Bougez-vous, vous êtes en sécurité. Plus de danger, allez-y! À l'étage, il y en a un là. Un là. C'était deux. Et puis il y en a un là aussi. Bien, ce dotage. On a réussi, commandant. Mission accomplie. Alors, par contre, on a encore eu un tué. Un autre soldat qui est tombé. Mais on a bien défendu le Canada contre cette attaque. Et puis surtout, on a découvert une nouvelle race d'insectes. Enfin, d'insectes extraterrestres. Ah, quoique non, on l'avait déjà découverte, celle-là. Dans la mission où on a récupéré Zhang. Elle y était, celle-là. Oh, lieutenant. D'accord. Et meilleur attire réflexe. Supprime la pénalité de visée et permet... Oh, bien. Un sniper d'élite. Ouais, il faut avoir des sapeurs. Qui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fumé dans ce... Touche une plus grande zone et confère un bonus de défense aux unités. Bien. Qu'on a fumé également une puissante simulation améliorant de 20 la volonté et de 10 les chances de coup critique des unités. Non, on va prendre... Crawford, c'était sa troisième mission.
Oh. L'indice de panique au Canada a baissé de 3 et de 1 point en Amérique du Nord. Nous vous observons. Oui, oui, oui. Je suis sûr que nos gars sont impatients d'égaliser les victimes dans les deux camps. C'est bon ça. Bon, par contre, faut l'Afrique et puis. Ouais. Alors, venez voir. La caserne, on y va au niveau des soldats. Ok. On y va. Hop, c'était bon, c'était bon, c'était bon, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. On n'a plus que 15 soldats. On a passé pour améliorer. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi utiliser une technologie aussi avancée contre des civils innocents? Parce que... J'ai peur que nos pires soupçons soient fondés. Ils ne sont pas seulement là pour nous enlever, ils ont autre chose derrière la tête. Ouais. Pouvons-vous nous faire quelque chose? Oui, vous pouvez mourir. Oh là 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 là. Bon. Et en attendant, on va d'abord au mémorial. Seconde classe, Cory Crawford. Sur cette note funeste que nous allons finir cet épisode. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. En attendant, bah, portez-vous bien et puis n'hésitez pas à rejoindre nos forces puis pour pouvoir combattre l'envahisseur et puis à la prochaine. Allez, ciao.